Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur le campus de Facebook où dans quelques minutes je vais interviewer David Marcus, mon ami, le patron de Messenger. Juste avant ça, Messenger en quelques chiffres, c'est 1,3 milliard d'utilisateurs, plusieurs dizaines de milliards de partages par jour, que ce soit des messages textes, de la vidéo, des photos. On parle de 17 milliards de photos. C'est aussi 400 millions d'utilisateurs voix, vidéo, conférences, chaque mois pour remplacer peut-être un jour le téléphone. On se réjouit en tout cas de cette interview exclusive. Ça va? Ouais, super. Excellent, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Je serais content d'être là, d'être avec toi et de pouvoir te poser quelques questions pour notre public. Ravi de t'accueillir. Que chemin parcouru depuis qu'on partageait des bureaux il y a fort longtemps à Genève. GTN d'abord, Ecovox après. D'ailleurs, Ecovox, c'était juste à côté de l'école Créa. C'est fou comme tu avais déjà cette obsession, en fait. C'était plus qu'une vision, une obsession du mobile. Chez nous, tu représentes une sorte de modèle de l'entrepreneur. Quel a été le drive qui t'a mené dans cette direction du mobile et des télécoms en général? Écoute, je pense que c'est la tech en général. C'était vraiment cette envie d'aller construire des produits qui allaient améliorer la vie des gens, on va dire, d'une façon ou d'une autre, ou qui allaient faire usage de nouvelles technologies émergentes. Et après avoir passé une année dans une banque sur un parcours très traditionnel genevois-suisse, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était trop abstrait, qu'il n'y avait pas de création, en fait, dans ce process-là. Et donc, c'est après cette aventure-là que je me suis lancé en me disant qu'il y avait un vrai problème. Et puis, je suis un peu tombé dans l'entrepreneuriat par hasard, puisque à cette époque-là, j'avais une grosse frustration des télécoms de l'époque. Ça s'appelait encore Télécom PTT, ça me date, mais où il fallait payer 1 franc la minute pour un appel entre la Suisse et les États-Unis, ce que je trouvais absolument dramatique. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé dans le bain de l'entrepreneuriat, on va dire. Mais effectivement, en 2007, avec l'arrivée de l'iPhone, juste pour resituer le contexte, à cette époque-là, je dirigeais une start-up que j'avais montée qui s'appelait Ecovox. Et l'objectif d'Ecovox, c'était du divertissement mobile. Donc, on faisait du téléchargement de sonneries, de On avait wallpaper. d'ailleurs fait des trucs ensemble Oui, à l'époque. absolument, oui. Et du vote à la télé pour Nouvelle Star, toutes ces choses-là qui étaient facturées sur du premium SMS à l'époque. Et avec l'arrivée de l'iPhone en 2007, je me suis dit, c'est fini. Maintenant, les gens dans leur téléphone, ils vont plus vouloir télécharger des sonneries, etc. On va avoir ça gratuitement sur le web. Donc, c'est une ère qui prend fin et une nouvelle qui commence. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque, tu me disais toujours, c'est fou comme dans le web, les gens ont l'habitude que ça soit gratuit et Complètement. Ils ont l'habitude que dans le téléphone, ça soit payant. Complètement. Et à ce moment-là, ce paradigme a complètement changé. Et donc, je me suis dit, c'est le moment ou jamais d'essayer de vraiment pivoter. La boîte qui marchait très très bien à l'époque, qui avait fait une croissance de plus de 3 fois son chiffre d'affaires de l'année précédente, c'était le moment de vraiment tout chambouler et de tout changer. Donc c'était un peu énergique comme discussion à notre conseil d'administration, parce que pas tout le monde voulait tenter l'aventure. Mais après plusieurs mois de tractation, j'ai réussi à convaincre notre conseil d'administration de l'époque, parce qu'on avait déjà des investisseurs institutionnels, de me donner la chance de venir aux États-Unis, de venir dans la Silicon Valley ici, avec un budget relativement limité et un temps relativement court. J'avais pas franchement l'intention de revenir, mais ça, c'est une autre discussion. Et pour essayer de tenter l'aventure, de voir si on arrivait à transformer l'essai, finalement, la plateforme qu'on avait montée autour d'Ecovox, mais cette fois-ci autour du paiement pour les biens numériques qui étaient à l'époque beaucoup des jeux online, des vidéos, de la musique, etc., sur le web, mais en payant avec son mobile. Donc, et incidemment, l'un de nos plus gros clients assez rapidement après ma venue ici, c'était Facebook avec, on se rappelle de Farmville, des jeux de Zynga et autres où il fallait acheter des vaches virtuelles sur des fermes virtuelles et pour utiliser sa carte de crédit pour faire ce genre d'achat, c'est pas super pratique. Et donc on avait une vraie solution à un vrai problème
Et donc quand je suis arrivé ici, j'ai réussi à monter une équipe relativement rapidement. Je suis arrivé en plein milieu de la grosse dépression, on va dire, de 2008, ce qui m'a permis de recruter et d'assembler une équipe au moment où fondamentalement les startups n'étaient pas très activement en train de recruter. Et ensuite, entre 2008 et 2011, on a monté un vraiment gros business sur la partie paiement mobile qui s'est finalement fait racheter à l'été 2011. Moi, je me rappelle très bien de ce jour-là. On était d'ailleurs dans ton jardin, tu courais dans tous les sens. Moi, je restais des fois planté avec Fanny et tu me disais « Je peux rien te dire, mais tu verras demain. » Voilà. Et demain, l'annonce a été faite. C'était assez la grande surprise.